chaque année, j'attends avec impatience cet événement du 11 novembre où tous les évêques se réunissent. Pour moi, c'est fantastique. C'est très, très, très beau. Et puis, ça me permet de me ressourcer un petit peu, de revivre un peu ce que j'ai vécu durant mon enfance. C'est un rassemblement annuel qui a pris cette année une ampleur exceptionnelle, puisque le 11 novembre, chaque année, les Antilles guyanaises se réunissent autour des évêques de Martinique, Guadeloupe et Guyane, avec les Antillais qui viennent de l'Île-de-France principalement, mais aussi de Marseille, de l'Alsace. Et cette année, il y avait une ampleur particulière, puisqu'il y avait l'archevêque de Paris. Je suis très heureux d'accueillir parmi les évêques qui sont là, avec vous, qui sont des vôtres, qui sont proches de vous, même si vous êtes habituellement séparés, mais vous êtes toujours fils et frères et sœurs de vos provinces d'origine. Je suis heureux d'accueillir pour la première fois Monseigneur Philippe Thiougou, nouvel évêque de Guadeloupe. L'Hexagone a besoin de vous, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et je rajouterai même la Réunion des Monseigneurs Pascal que nous avons eu la joie de connaître à Lourdes. Chers jeunes, mais à travers les jeunes, c'est nous tous évidemment, cherchez, aimez, servez. Ainsi, vous répondrez à l'appel de Dieu. Ensemble, ensemble, en Noël. Ensemble, ensemble, en Noël. Nous sommes issus de plusieurs nations, entre Afrique, entre l'Hexagone, entre ceux qui sont arrivés dans nos pays. Donc il y a peut-être une dimension, une sensibilité à l'unité. Il y a un côté un peu international et du monde qui se vit déjà aux Antilles et qui peut transposer ou faire vivre aux autres. Une grande diversité culturelle en Guadeloupe et dans les Antilles en particulier, apporter cette nouvelle culture au sein de l'Église, que ce soit en France métropolitaine ou dans le monde. Et voilà, pouvoir échanger culturellement et faire une harmonie au sein de l'Église pour pouvoir apporter de la jeunesse, apporter de la chaleur antillo-guyanaise. Ça fait quand même du bien en France métropolitaine d'apporter ça. Et voilà.